cosmos. Je refuse de vous affronter. Parce que vous craignez de découvrir que vous avez tort. Je vous en prie. Entrons-nous au cours de guérison avec les autres femmes. Bien, vous voulez apprendre à combattre? Je vais vous donner. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, roi Xavier.
Je veux parler aux personnes qui savent qu'elles ont des pouvoirs. Comment est-ce que je peux vous dire ça? Hi, Diamond. Il y en a ici là. Vous maîtrisez les éléments. Et vous êtes dans un jeu où l'ennemi veut vous faire croire que vous ne portez rien. Beaucoup d'entre vous, vous sortez de relations où votre partenaire utilisez votre puissance. Vous suivez? Le père de tes enfants là, il utilisait ton onction. Tu avais la capacité de lire. Ce n'est pas parce que pendant une période où tu t'es laissé dominer par lui que tu n'étais pas puissante. Là, ce n'est pas moi qui parle. Je vais seulement, ça va sortir comme ça sort. Parce que je vois une qui dit là que si j'étais forte, pourquoi sa famille a abusé de moi? Pourquoi sa famille m'a bloqué? Tu es dans une période de restauration, de guérison. Ta beauté doit revenir. Ton pouvoir doit revenir. Et beaucoup d'entre vous, c'est quand vous êtes en paix que votre énergie peut, tu vois, quand tu dors enfin seul, c'est pour ça que ce n'est pas toutes les nuits que tu dois avoir quelqu'un à côté de toi. On s'en fout de ce qu'ils vont dire. Ce n'est pas tous les jours qu'il va te toucher. Il y a des moments où ton esprit veut bien. Mais il y a des moments où ton esprit a besoin d'être concentré. Tu as besoin de concentrer de l'énergie, de la puissance. Et quand ça vient, tu sors ça. Il suffit de demander une petite parole de like, boum! Et ils vont lire leur. Depuis ces derniers jours, tu te vois dans les batailles, dans le rêve. Tu es un général d'armée. Rien chez toi ne se fait au hasard. Tu peux prendre les arachides, tu donnes à quelqu'un, il mange, il accouche, alors qu'il était stérile. Tu prends la bougie, tu touches, tu dis que prends, tu peux allumer dans ta maison, la lumière, les ténèbres vont partir. Dès que la personne allume ça comme ça, là, toute présence négative sort. Votre corps et votre cœur ne vibrent pas à la même fréquence que tout ce que vous voyez là-dehors. Nous sommes dans un monde où il y a des zombies, des suceurs d'énergie, et il y a des sources d'énergie.
Il y a des suceurs d'énergie et il y a des sources d'énergie. Toi, tu es lequel? Il y a des gens qui contrôlent les éléments et il y a des gens qui subissent. Toi, tu es lequel? Ces derniers jours sont un peu embrouillés. Ah, tu ne portes même rien. Si tu portais quelque chose, pourquoi on t'a refusé tel? Pourquoi ton compte bancaire est vide? Pourquoi ton ex vient encore te déranger? Tu traverses une crise d'identité. C'est pour ça que tu as besoin de ton esprit doit rester constamment sur qui tu es. Parce que tu es en train d'accumuler de la puissance. Oh, you're gathering strength. Tu es en train d'accumuler de la puissance. Et ta puissance est en train de grandir. Ta puissance est en train de grandir. Tu dois sentir normalement comment tu as de la chair de poule sur ton corps. Tu as besoin de te concentrer. La première personne que tu vas délivrer, c'est toi. Écris cela, je ne donne plus mon énergie aux gens. La première personne que je délivre, c'est moi. Avant de m'occuper de quelqu'un. Je sens en fait comme si les esprits sont fâchés, genre, assez, assez. On doit sortir la fille du trou. Tu dois être visible. You need to go viral. Ha, ha, ha. Les gens t'avaient bloqué, tu sentais que je sais que je suis pas censé être ici. Je sais que je suis pas censé être ici. Tes chaînes. Et on me dit que c'est ton esprit qui allait te livrer. Parce qu'il y a quelqu'un qui doute que, ah, qu'est-ce qui a changé? C'est ton esprit. You're full. Quand ça se remplit, ça fait comment? Ça déborde. Ce matin, je me disais, j'ai eu une toux qui a duré 2 semaines et demie. Depuis le 3 février, ma voix n'a jamais été autant attaquée. Votre voix est en train d'être libérée. Et certains d'entre vous, ce sont des délivrances physiques de votre bouche. Tu commences à arriver à un endroit où tu peux commencer à parler. Et il y a quelqu'un, c'est là que tu étais caché au boulot. On ne te voyait pas. C'est comme si ta tête énervait ton patron. On te dit, ah, tu peux faire B. On dit, va à gauche, tu peux pas à droite. Souvent, toi, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? On t'avait voilé. Tes pieds vont commencer à chauffer. En fait, tu prends de la vitesse. Tu prends de la vitesse. Les gens là t'ont quitté, ils croyaient que c'était, tu étais en train de descendre. Je suis là pour t'annoncer que tu n'avais même pas commencé à germer. Tu n'avais pas commencé à germer. Tu avais mis la plante dans la terre. On reste, ah, j'étends même le pot sinon. C'est là que tu sors comme l'acteur du film. Commence à pousser, tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Travaillez sur vous. J'ai des rituels que je dois vous montrer aujourd'hui. Vous avez fait ça en 3 jours. Vous connaissez que je travaille toi avec le sel, non? Donc cherchez de quoi noter.
Ne laissez pas les gens vous embrouiller avec les procédures et trop de choses. Prenez l'eau, prenez le sel. Somme 35 que vous négligez beaucoup. Vous allez d'abord méditer. Vous purifiez votre corps. Vous purifiez votre maison. Vous purifiez vos enfants. Vous purifiez votre mari pendant qu'il est couché, il dort là. S'il n'est pas à côté de toi, tu le fais en pensée. Ça va l'atteindre. Vous purifiez vos comptes bancaires. Dans la procédure, tu te couvres de lumière. Je me couvre de lumière pure. J'enlève toute énergie négative. Je me connecte à ma plus haute version. Là, tu viens de créer un espace dans ton esprit. Beaucoup d'entre vous, vous allez être délivrés. Beaucoup de choses sont sorties de votre corps. Beaucoup de glaires. Il y a même des glaires que ça vient de votre mère. Certaines glaires vont sortir que c'est des choses que tu as prises dans les relations. Certaines ont opéré. Tu as conçu l'enfant avec quelqu'un qui n'était pas bien. Et c'est ça qui va sortir. Donc, quand tu te connectes, tu appelles tes anges. Gabriel, Raphaël, Michael, Uriel. On commence par le mari, si tu es marié. Tu n'es pas marié, ne te dérange pas, tu sautes l'étape là. Tu vois comment cet homme est libéré de tout envoûtement. Tu entoures sa tête d'une lumière blanche et pure. Tu protèges ses idées. Tu protèges son cœur. Que son amour vis-à-vis de toi, si tu es la femme, son amour vis-à-vis de toi, si tu es l'homme, reste intact. Tu protèges sa vision. Descends protéger ses reins. Futurs enfants, enfants passés et sa virilité. Tu finis de faire ce nettoyage-là. Tu nettoies toi-même. Si tu peux, tu fais d'abord toi avant de faire ton mari. Je purifie ma tête. Tu peux contourner de lumière blanche. Imagine la lumière blanche qui contourne ta tête 7 fois. J'enlève toute pensée négative. Je déclare qu'aucune idée négative ne va m'atteindre. Je libère ma vision. Je libère ma couronne. Tu descends. Ce que ma main fait, tu imagines l'énergie, ton énergie est en train de faire ça. Après maintenant, tu crées une lumière blanche autour de toi. On y va. De la tête, on descend. Je passe par la gorge, le cœur, le plexus, le bas-ventre et j'arrive aux pieds. Je me libère de tout envoûtement. Les mains, vous allez voir vos mains picotent. Je libère tous les dons que j'ai dans les mains. J'enlève tout syndrome de main percée. On met maintenant la protection. On se libère, on se protège. Je m'enveloppe de protection. Allez-y. Voilà. Voyez le voile de la Vierge Marie qui vient sur vous. On libère les pieds comme on a fini là. Voilà. Maintenant, on continue. Sa maison, avant de faire les enfants. Imaginez votre logement. Une chambre, deux chambres. Voilà, même si tu dors sur le coin du canapé de quelqu'un.
Vous partagez le canapé ensemble, pas de souci. Je mets l'énergie pure. Je pointe la lumière au coin de ma maison. Allez-y. On libère d'abord. Toute mauvaise énergie, toute mauvaise intention, tout fétiche qu'on a planté dans ma maison. Allez-y. Imaginez l'énergie qui fait ça. Je ne soutiens personne en prière. Quittez. Mof. On montre comment vous protéger. Soutiens-moi en prière. Nye. Faible d'esprit. Allez-y. Ton logement. On enlève toute énergie négative. On remplit de lumière pure. Allez-y. On poste maintenant la protection. Imaginez de l'eau qui entre et ça remplit tout le sol de votre logement. S'il y a la cour, tu remplis la cour d'eau. Et cette eau est pure. Et voyez dans les coins les anges, les êtres blancs qui se pointent dans les coins. Et ils forment un bouclier qui rend votre maison impénétrable, votre corps impénétrable, votre mari, votre femme intouchable. On va voir comment les Tchizala vont toucher encore votre gars. Fais ça pendant 3 jours. Si le jour-là tu as alors jeûné, on jeûne demain. Demain on jeûne. Donc, j'espère que vous serez dans le groupe de prière. Demain on jeûne. Donc demain on va faire ça. On va faire ça. Fais ça pendant 3 jours. Tu finis de protéger ta maison. Si au travail, tu as des gens qui te dérangent, nettoie le bureau là où tu travailles. Parce qu'il y a les gens qui viennent déposer des fétiches quand vous n'êtes pas là. Il y a des gens qui manipulent votre type de travail pour manipuler votre patron. Il y a des gens qui dans leur cœur même d'abord, c'est noir. Oui, il y a des manipulateurs que leur cœur d'abord est noir. Les gens nés manipulateurs. Voilà. C'est comme ça que tu peux purifier ce qui t'appartient. Tu purifies même le chocolat de ton gars. Purifie le chocolat de vos gars. Quand tu finis ça, dans le spirituel, on enlève toujours et on remplace. On enlève ce qui est mauvais, on remplace par ce qu'on veut. Si tu oublies de remplacer, tu n'as pas fini ta purification. Ok? Beaucoup d'entre vous, vous allez faire ça et vous allez voir. Maintenant, avec le sel, l'eau, tu prends le sel, tu mets dans l'eau. Tu lis le psaume 35 dessus. Maintenant, tu parles à cette eau en visualisant. Je déclare que tout ce que tu vas toucher, toute énergie négative, tout mauvais sort, tout enchantement, toute mauvaise parole est enlevée. Tu apportes le bonheur, la paix. Tu prends cette eau-là, tu peux mettre dans le spray pour vaporiser sur les murs de l'endroit. Tu mets dans l'eau pour laver le sol. Tu mets l'autre, tu te laves avec, tu laves les enfants avec, tu laves ton mari avec, tu verses l'autre dans la cour. Ok? Ceux qui ont pu acheter l'eau lumière, il y a une eau que je vends. C'est moi-même qui ai béni ça. Achetez l'eau lumière, vous diluez avec votre eau, vous augmentez dans pour vous. Si vous recevez les kits, généralement il y a une petite eau bénie dedans. Vous versez ça dans une grande portion d'eau et vous faites le même processus. Maintenant, beaucoup d'entre vous, vous avez la capacité de traverser les mondes. Mais malheureusement, quand vous arrivez, vous avez oublié. Et vous devez demander la capacité de pouvoir ramener vos messages. Demandez la capacité de ramener les messages.
Beaucoup d'entre vous, quand vous vous réveillez, vous sentez comment ça part. Demandez pendant ce processus de purification, on jeûne demain. Écrivez inbox et vous demandez le groupe, on va vous donner le lien. Vous devez chercher le lien WhatsApp, c'est dans la bio. Vous écrivez sur WhatsApp, vous dites le groupe de prière, si vous n'y êtes pas encore. Je ne vous écrirai jamais, il y a les scammers dans mon groupe souvent. Ils viennent et vous écrivent, ce ne sont que les admins de mon groupe. Si une personne t'écrit ailleurs, tu parles, il n'y a pas de souci. Mais je n'ai mis personne pour vous écrire, à part les admins de mon groupe, en passant. Donc, quand vous allez vous purifier, demandez la capacité de pouvoir ramener. Il y en a aussi que vous êtes bloqué, on a bloqué votre accès. Ce qui fait que vous n'arrivez plus à partir et revenir. On te bloque au milieu. Tu te réveilles, tu as l'impression que tu n'es pas accompli, like, you know, un sentiment de non-accomplissement. Il y en a aussi, vos dons, ça c'est la période où vos dons doivent être activés. On ne fait pas l'amour tous les jours. Celle qui demande qu'est-ce que le sexe avec son partenaire peut gagner des bénédictions, gâter les bénédictions. Si vous partez chercher à faire l'amour avec les sorciers, il y a des gars qui vous donnent la poisse. Oui. Parce que leur énergie n'est pas bonne, leur cœur n'est pas bon. Vos dons sont censés être activés. Maintenant, ils vont utiliser votre cœur. La distraction de l'amour. Ou vous allez sentir, ce que je vous demande de faire là, depuis quelque temps, vous sentez que votre maison, quand vous dormez, vous n'êtes pas à l'aise chez vous. Faites ce processus dans votre maison. Et n'oubliez pas, personne ne peut résister à votre pouvoir. Ok. Quand vous allez faire ça, cette activation sur vous-même, vous allez demander à pouvoir rentrer dans votre mission. Il y a des environnements qui vous activent. Il y a des personnes ou des conversations qui vous activent. Et vous devez vous rappeler aussi que tout est contrôlé d'en haut. Même le mal qui t'est arrivé, même la mauvaise personne qui est venue à côté de toi, à la fin, ça tourne pour ton bien. Je dis pour intégrer le groupe, vous partez dans ma bio. Le numéro est là, vous écrivez sur ce numéro sur WhatsApp. Tout est contrôlé d'en haut. Donc, ne te dis pas, oh, ma part est déjà finie. Oh, c'est contrôlé d'en haut. Tout tourne et après ça a du sens à votre avantage. Tout finit par avoir du sens, mais ça tourne à votre avantage. Maëva, arrête d'écrire ça. Pour ceux qui ne savent pas lire, j'ai déjà vu, arrête. Concentrez-vous pour faire de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai dit d'écrire dans le numéro qui est dans la bio. Si tu ne veux pas, tu laisses. Tu as compris, non? Vous n'aimez pas les instructions. Ça ne marche pas comme ça ici. Et dans mon groupe, je lance la prière une fois par semaine. Dans les autres jours de la semaine, je peux vous envoyer les audios de prière. Donc, c'est les mercredis compris ensemble. Donc, ne venez pas me stresser. Si tu arrives, ça ne te va pas, tu peux sortir du groupe. Calmement. Voilà. Donc,
Purification 3 jours. Beaucoup d'entre vous, vous aurez besoin d'activer ce dont je viens de vous parler sur vous d'abord. J'ai dit quoi? Sur qui? Le mot bloqué, je n'aime pas ce mot. Donc, vous allez d'abord vous guérir. Faites ça par la foi, s'il vous plaît. Mon travail n'est pas pour les gens qui sont légers d'esprit. Ce n'est pas pour les impotents. Ne tombe pas ici, là, tu n'as jamais fait un truc. Tu ne t'es jamais lavé au sel. Tu dis, hey, je ne comprends pas. C'est pour ça que tu ne comprends pas. Pour vous guérir, beaucoup d'entre vous, vous êtes appelés à guérir les gens, mais vous devez d'abord vous guérir. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. On peut faire sans toi. Beaucoup d'entre vous, vous avez des pouvoirs pour guérir les gens, mais vous devez d'abord vous guérir. Et n'oubliez pas, vous êtes très puissant. Vous êtes... Tu pars où là-bas? Où là-bas? Tu pars où? Tu vas de quel côté? Vous êtes puissant. Il y en a parmi vous, vous n'êtes pas prêt pour qu'on vous dise certains de vos pouvoirs. Pour vous, ce serait du blasphème. Vous ne croirez pas. On ne demande pas de l'aide ici. Posez les questions à vos guides. Ça, c'est pour les enfants, là. Aide-moi, aide-moi. Donc, vous êtes puissant. Vous devez penser à vous guérir d'abord. Purifiez-vous vous-même d'abord. Prenez du temps pour concentrer votre énergie. Et dans les prochains jours, peu importe le problème qu'on vous pose, ça veut dire que vous pouvez le résoudre. Même si c'est quelque chose que vous n'avez jamais résolu avant. On vient avec une maladie vers vous. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Comment se guérir? Voilà. Tous les enfants qui sont dans ma page, là, quittez, s'il vous plaît. Je n'ai pas de guide. Voilà les enfants. C'est très, très, très délicat de venir sur TikTok pour parler des choses intéressantes. Parce que les enfants vont tous se pointer. Aide-moi. Et on fait comment? Je ne comprends pas. Même si on parle des choses sérieuses, vous n'allez pas comprendre. Quelqu'un qui est connecté, quand il écoute, dès qu'il dit forcément l'énergie, son corps fait un genre. Il dit que non, 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 non. This one. La tête est bloquée. Hey, moi, je bloque les gens sur ma page. Je ne suis pas encore un enfant. Je ne comprends même pas. C'est ça que vous faites. Je te chasse de ma page. Va séduire les hommes après ailleurs. Mon numéro WhatsApp 237 693 50 22 66.
Virginie des USA, mon numéro est sur ma page. On est dans un bateau qui nous amène quelque part. Donc ceux qui pensent que je suis leur guide, on est en train d'aller quelque part. Beaucoup, vous allez me voir dans vos rêves ces jours-ci. Et je sais de quoi je vous parle. Ce n'est pas parce qu'on est seulement ici sur les réseaux sociaux comme ça. Je ne me suis pas levé, j'ai pensé que il faut que je fasse des vidéos pour imiter quelqu'un. Je n'imite pas quelqu'un. C'est qu'on me donne des instructions que je viens ici parler. Je ne suis pas là parce qu'il y a une traîne quelque part. Oh, je pense que ça c'est beau. Je ne fais pas ça. Donc on est en train de parler. Et la bataille qu'on est en train de mener, elle est sérieuse. Il y en a, vous meniez la bataille depuis, vous ne saviez pas de quoi il était question. Tu ne savais pas que tu étais en bataille. Mentalement, tu ne savais pas, mais là-dedans, tu savais. Là, vous êtes en train de... C'est comme si votre mémoire revient. C'est comme si ta mémoire est en train de revenir. Je sais très bien ce que je fais. Il y a des choses qui étaient bloquées dans votre vie depuis. Des procédures que vous avez toutes essayées, c'était bloqué. Tout. Et maintenant, tu es en train de sentir comme si c'est... On t'appelle, on dit, oui, le papier que tu attendais depuis là, c'est là. Reconnaissez les saisons. Ne venez pas m'expliquer vos problèmes ici. Allez raconter ça au marabout. Oui. Aide-moi. Allez leur dire ça. Vous verrez des démarcations claires. Il y a des choses claires qui sont en train de se passer. Et il y en a, vous comprenez, ce que vous vivez dans la journée, c'est la continuité de ce que vous avez vécu dans la nuit. Ça commence à devenir très réel. Tu te réveilles, j'ai vu ça la nuit, non? Il y en a parmi vous, vous m'avez vu dans votre rêve, avant de me rencontrer sur les réseaux sociaux. Donc faites très attention quand votre tête va venir dans les Ah, de toutes les façons, rappelez-vous. Il y en a que quand tu attrapes ton guide, accroche-toi, mets la menotte sur ta main. Tu mets la menotte sur sa main. Si tu veux, tu coupes les menottes, il n'y a pas de problème. J'ai laissé 210 000 ici. Comment vous me dites que vous avez laissé? J'ai laissé 205 000. De toutes les façons, si vous ne faites pas, et les vrais, voilà, on me dit que les vrais guerriers sont en train de venir. Il y a beaucoup qui faisaient semblant. Les vrais,
sont en train de venir. Vous n'aimez pas les choses sérieuses, que tu es nerveuse. Les vrais sont en train de venir. Ceux qui peuvent sacrifier tout ce qu'ils font. Ceux qui vont faire ce qu'ils croient être censés faire. Les gens qui vont marcher en disant, les gens qui vont marcher en disant, je ne sais pas, mais je sais que je dois faire ça. L'Esprit m'a dit de. Ils m'ont dit de. Ce sont ceux-là qui vont dominer. Et quand on dit dominer, c'est dominer dans ta propre vie. Ce n'est pas que tu es au-dessus de quelqu'un. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne vivez pas vos vies. Tu es là, tu souffres, on te gifle à gauche, à droite. Left, right, center. Est-ce que pour la faire, on force quelqu'un? Prends mes affaires sur la table et tout ça là, tu mets dans un sac, tu pars avec. Parce que je veux partir, je vais venir voir au bas de Kéké quand je finis. Avec mon téléphone, tout ce qu'il y a là-bas qui m'appartient. Psyché, je voulais te remercier pour tes messages à travers tes vidéos et remercier tes guides aussi. Ça, c'est bien. Je ne vous explique que ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Je n'explique que ce qui était déjà à l'intérieur de vous. Vous me suivez, non? Je n'explique que ce qui était déjà en vous. Oui. Que ce qui était déjà en vous. Rien d'autre. Il y a beaucoup de personnes ici là, quand vous allez tomber sur ce que je dis ou je fais, vous serez même choqués. Tu es malade, c'est bien pour toi. Vous aimez toujours venir faire les faibles. Pourquoi tu ne peux jamais même voir, faire les gens voir même que tu es même au-dessus de ton jeu? Hein? Toujours les aide-moi, aide-moi. Non, je ne suis pas fatiguée. Ne viens pas mettre la fatigue sur moi, mamie. Reste avec ta fatigue. Tu as compris? Vos mauvais sorts là, vous restez avec ça. Voilà, quelques blocs. Je me sens fatigué.
Les je tiens le coup là, c'est pour les faibles. Les combats sont là. Tu crois que qui ne combat pas? Okay. On ne peut pas dire que tu sembles fatigué. Tu gardes ta fatigue pour toi. Ok. Tu viens ici avec tes 10 followers pour me dire que je suis fatigué. Je te bloque. Est-ce que je suis là pour voir vos opinions? Je te bloque. Pendant ton temps, tu écris tes longues phrases. Je te bloque. Bon, j'ai terminé ce que j'allais vous donner comme message. Non, est-ce que la peur, le blocage, c'est la peur? Il continue les choses, non? Est-ce que moi, je suis là pour. Je tiens mon compte des gens. Je me pointe.